Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Quoi de plus normal qu'une recette de l'Est de la France et de la cuisine allemande pour Grillson, une marque allemande avec cette recette de flammenkuch au barbecue. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré toutes les spécificités de ce barbecue. Je vous avais dit qu'on pouvait l'utiliser comme un fumoir, comme un grill, comme un four. Et on va pouvoir l'utiliser comme un four à pizza en le montant à 400 degrés. Allez, c'est parti! Je l'allume, je vais le mettre à 400 degrés et donc je vais attendre que cette fumée blanche qui va apparaître pendant 2 minutes disparaisse pour venir mettre la plaque à pizza, descendre le couvercle et laisser la monter en température. Pour cette recette, on peut prendre tout simplement une pâte à pizza qui est déjà faite ou alors ma recette avec 250 g de farine, avec 140 ml d'eau, une pointe de sel, un petit peu d'huile et dessus on pourra mettre alors 300 g de crème fraîche, on peut mettre du fromage blanc, vous mettez ce que vous voulez, un oignon blanc coupé très très fin, 250 g de lardons. Après moi j'ai pris du comté ici et après vous pouvez mettre ce que vous voulez par dessus, mais ça c'est vraiment la base des ingrédients. Et maintenant on va commencer par faire la pâte. Dans le bol du Kitchen Aid il y a les 250 g de farine, je vais pouvoir ajouter l'huile d'olive, le sel et l'eau et mélanger le tout. Et quand la pâte s'enlève bien des bords, c'est qu'elle est prête. Voilà ma pâte, donc si elle est un petit peu collante comme ça, donc ça dépend vraiment de la température extérieure, il va falloir vraiment la travailler pour qu'elle soit pas trop collante. Donc si elle est trop collante, rajoutez de la farine, si elle est trop sèche, ajoutez de l'eau. Donc la recette sur cette pâte, il n'y a pas besoin de laisser reposer, moi je l'ai abaissée directement. Et donc je vais pouvoir mettre la crème en laissant toujours à peu près 1 cm du bord, donc ça c'est exactement comme pour la pizza. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre forcément trop parce que sinon ça peut humidifier la pâte et du coup ça va être plus compliqué pour cuire. Voilà, donc comme vous voyez moi je l'ai un peu coupé sur les côtés, donc ça fait que je ne vais pas utiliser tous les ingrédients, mais il me reste un petit peu de pâte. Moi ce que je voulais c'est qu'elle ait vraiment cette forme rectangulaire comme ça. Donc une fois que j'ai mis la crème fraîche ou le fromage blanc, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre les oignons. Ensuite, les lardons. Ça va être vraiment succulent. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, ça a mis quand même une bonne demi-heure à monter à plus de 400 degrés et je vais pouvoir enfourner la flammenkuch maintenant. On est à 3 minutes 30 de cuisson. Waouh, elle est quasiment prête. Bon, par contre, ça chauffe du tout. Mais... et je vais pouvoir la sortir. Vous avez vu les images, elles sont absolument magnifiques. Franchement, ça a cuit en quoi? En 3 minutes, 34 minutes, hein, à 400 degrés, ça va hyper rapidement. Alors, c'était ultra chaud, j'ai attendu un peu avant de faire la dégustation. Donc, la pâte, elle m'a l'air d'être un... Vous avez vu tout le fromage? Ça a bien gratiné. En fait, il faut vraiment pas grand-chose. Ça le fait vraiment. Et cette pâte-là, sans repos, elle est vraiment super. C'est celle que je fais régulièrement, comme pour la pâte à pain et tout ça. J'adore vraiment. Et ça, dès qu'il y a un match de foot, une soirée, vous voulez faire une entrée, c'est quelque chose d'ultra rapide. Vous avez vu, il ne faut pas tellement d'ingrédients. Il n'y a pas de temps de repos, donc vous pouvez la faire vraiment n'importe quand. Et encore une recette originale à faire au barbecue. Si tu veux encore plein d'autres recettes originales au barbecue, viens liker ma page Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt !